Bienvenue au Moulin de la Forge, on y va ? Valérie accueille des clients depuis 7 mois dans cet écrin de verdure en plein cœur de la Côte d'Or. Originaire du Loiret, elle a rejoint la Bourgogne pour assurer la location gérance de ce gîte rural. Une nouvelle aventure rendue possible grâce au microcrédit. Un prêt sans apport accordé aux personnes exclues du système bancaire. J'ai fait un crédit de 4000 euros. Donc il se décompose en deux phases, 2000 euros je crois sur 2 ans, et ensuite les 2000 euros sur, alors ils sont à des taux différents, 2000 euros qui restent sur les 2 années qui suivent. De quoi financer pour moitié l'achat d'une nouvelle voiture et un espace dédié au bien-être et à la création artistique. Pour Valérie, tout est allé très vite. C'est toujours des dossiers à monter où il faut des justificatifs, il faut aussi faire ce qu'on appelle un prévisionnel, donc il faut pouvoir aussi se projeter, tenir compte de beaucoup de paramètres quand on est en création d'entreprise. Mais enfin, moi, pour mon cas, ça a été assez facile puisque j'avais quand même pas mal travaillé en amont quand j'ai rencontré l'ADI. L'ADI, c'est le nom de l'organisme qui l'a accompagné dans ses démarches. Une association à but non lucratif qui soutient les auto-entrepreneurs. Direction Dijon pour retrouver Mahmoud. En mai 2018, cet ancien plâtrier de Damas a ouvert son épicerie syro-libanaise grâce au microcrédit. Mon produit phare, c'est le pain, mais il ne m'en reste plus aujourd'hui. Mais j'ai du café. Le café célèbre, le café syrien, Arabica, 100%. Et j'ai l'aubergine en farci. Prêt à manger, déjà cuisiné. J'ai eu vraiment très peur. J'ai eu peur que ça marchera pas. Et comment je vais rembourser le crédit si ça marche pas? Du coup, j'ai essayé de vraiment bouger, d'aller chercher le produit de chez le fournisseur le moins cher et de le faire venir ici en cotisation minimale. Et c'était ça. 200 familles d'origine syrienne vivent à Dijon, alors Mahmoud a vite trouvé sa clientèle. Un succès bâti avec l'aide de Geoffrey Sidoine, chargé de mission à l'ADI. Bonjour monsieur Abbas, comment allez-vous? Très bien, et vous allez bien? Très bien. On prête de 500 à 10 000 euros sur une durée qui va de 12 à 48 mois, tout dépend des modalités des financements. Alors, il y a deux types de prêts, une partie avec un taux d'intérêt à 7,58, ce qu'on emprunte aux banques pour reprêter derrière, et il y a une partie à taux zéro. Aujourd'hui, on a la chance en Côte d'Or de bénéficier de prêts à taux zéro qu'on peut redistribuer aux porteurs de projets pour faire diminuer le coût du prêt. Là, j'ai vu des 300 dossiers de candidature au microcrédit sont déposés à l'ADI chaque année. En 2018, 80 d'entre eux ont été financés. Pour répondre à vos questions. Oui, s'il vous plaît.